La Coupe de l'América est une régate ou course à la voile qui existe depuis 1851. C'est le plus vieux trophée sportif au monde. La prochaine édition se déroulera en septembre dans la baie de San Francisco. Elle opposera le détenteur de la coupe appelé Defender à un Challenger. Le trophée est une aiguille d'argent détenue depuis 2010 par l'équipe américaine Oracle Team USA qui sera donc le Defender. Le Challenger sera le vainqueur de la coupe Louis Vuitton qui aura lieu un peu plus tôt en juillet et en août. Elle départagera trois concurrents, Emirates Team New Zealand pour la Nouvelle-Zélande, Luna Rossa pour l'Italie et Artemis Racing pour la Suède. La Coupe de l'América, comme la Coupe Louis Vuitton, se déroule en match racing, c'est-à-dire une série de duels opposant un bateau à un autre sur un parcours prédéfini. Le vainqueur est celui qui cumule le plus de victoires. Les concurrents s'affrontent sur des bateaux de même classe, appelés cette année AC-72. Ce sont des catamarans à ailes rigides de 22 mètres de long. Surpuissants, ils sont capables d'atteindre une vitesse jusqu'à 3 fois celle du vent. Ils sont menés par des équipages de 11 personnes, barreurs compris.